au départ, il faut féliciter la JSK pour sa victoire, que je dirais, quelque part, elle est méritée. Mais d'une autre part, je pense que si on avait marqué les deux occasions, elle est nette. Je pense que on pouvait partir avec le match nul. Mais la façon dont on a encaissé les buts, je pense que l'équipe, elle méritait de perdre. Donc, elle est en grosso modo pour le match. Justement, de manière générale, on vous sentait beaucoup plus audacieux, mais il manquait un peu le geste final. Bon, audacieux, parce que je dirais aussi que toutes les conditions étaient réunies pour faire un bon match. Un public extraordinaire, un adversaire qui joue au ballon, donc c'est très important. Et à partir de là, donc, il y a eu ces ingrédients qui nous ont poussé à croire en nos chances. Donc nous avons joué, même les remplacements étaient sur le plan surtout offensif, dans l'entrejeu ou la ligne offensive. Mais je dirais qu'on a manqué un peu de lucidité, un peu d'efficacité, peut-être plus d'efficacité. Mais je pense que dans l'ensemble, c'était un match plein, il y en a des deux côtés. La GSK, est-ce qu'elle a eu comme occasion, les amis dedans, peut-être elle a raté deux. Mais c'est-à-dire le ratage Tana, c'était vraiment le détournant du match. Hein. Donc on pouvait revenir à 2-2, peut-être avec Yannick Kimakoula à 10 minutes de la fin, le GSK peut-être elle va se porter avec des comptes, j'ai des joueurs assez rapides pour faire ça. Donc on pouvait peut-être espérer une issue meilleure que ça. Voilà. Justement, deux défaites de suite, est-ce que ça ne met pas un peu trop plus de pression que... Non, pas tellement, parce que là, il faut voir dans quelles conditions j'ai pris l'équipe. Hein. Parce que l'équipe, elle était déjà sur 4 défaites consécutives. Aujourd'hui, quand même, on arrive à enchaîner 4 bons résultats. C'est vrai que la défaite à Tadjenet contre le Mob est malvenue, mais je dirais que c'était un jour sans. On n'a rien fait pour gagner. Au contraire, on a été nul sur toute la ligne. Aujourd'hui, quand même, il y a eu une réaction par rapport à la défaite. Mais je pense qu'il manque un peu de travail. Parce que là, avec les absents, avec les joueurs qui les ont remplacés, bon, ils n'ont pas le rythme parce qu'ils ne jouaient pas. Des joueurs qui revenaient de blessures. Donc c'est vrai que le rythme, Lyon, pour faire jeu égal avec la JSK, il fallait un certain rythme, il fallait plus de vivacité, plus de maîtrise technique, chose qu'on n'avait pas parce qu'au cours de que le temps et le match marchaient sur le temps, je pense que mes joueurs ont commencé un peu à perdre de lucidité et ça se voyait surtout peut-être pour certains sur leur forme physique qui n'était pas vraiment adéquate au rythme du match. Vous avez appris que vous allez jouer prochain match éventuellement sous les lumières des projecteurs. Oui. Oui, c'est une. Bon, je pense que les meilleurs matchs, ils sont nocturnes. Hein. Parce que jouer à 15h, surtout maintenant avec les horaires d'hiver, c'est pas vraiment commode. Surtout si jouer un vendredi par rapport à ce qui se passe pour la prière et tout ça. Mais je pense que c'est une bonne chance pour eux. C'est une première. Il faut remercier aussi la DGS qui a fait les efforts voulus pour. Je pense que c'était un temps de 4 mois pour préparer tout ça. Et ils l'ont fait, donc il y a eu la réception. Et c'est bien, je pense que ça va être intéressant aussi pour nous, pour le public, parce qu'il y a des gens qui travaillent, ils n'arrivent pas à venir à 16h ou à 15h. Donc je pense qu'en nocturne, ça va être encore meilleur. Et c'est bien pour le football. C'est bon, merci. Voilà, c'est comme ça, hein. Merci. Non, ça, vous voyez ça d'un point de vue journaliste, d'un point de vue comptable, c'est tout. Moi, je vois ça autrement. J'ai effectué des changements parce que on est aussi toujours dans le projet de faire jouer le maximum de joueurs. Le mercato arrive à grands pas et j'ai besoin de savoir si je peux compter sur tout le monde et surtout si tout le monde est impliqué et la progression que peuvent avoir les joueurs qui jouent peu ou pas souvent par rapport au niveau exigé. Voilà, moi, c'était mon objectif. C'est ce que je leur ai dit.
Donc voilà, on a gagné, on a souffert, tant mieux. C'est l'apprentissage. Pour eux, c'était un match d'apprentissage ce soir. Et je suis ravi pour eux aussi qu'ils en sortent vainqueurs. Beaucoup de changements aujourd'hui, on ne s'attendait pas. Donc, dans la surtout un poste assez central et d'autres changements aussi. Comment vous expliquez? Je viens de l'expliquer. La stratégie, voilà, voir tout le monde. Est-ce que je peux compter sur 12 joueurs ou je peux compter sur 20 joueurs? Telle est la question. Donc, tout n'a pas été parfait, mais on a eu beaucoup d'occasions. Je pense que si on met le quatrième, on est à l'abri de tout. Mais c'est comme ça, encore une fois, c'est l'apprentissage. Moi, je suis content de ce qu'ils ont fait ce soir. C'est aussi de l'audace de la part de l'entraîneur, c'est posé. Enfin, le turnover. Oui, un peu, mais. Encore une fois, réfléchissez bien à ce que j'ai fait. Si dans un mois et demi, on me pose la question, est-ce qu'il faut que je prenne des joueurs? D'accord? Je peux dire oui si je fais continuellement jouer les mêmes joueurs. Parce que je n'ai pas de repères par rapport aux autres. Il me faut des repères. Si je prends un joueur, il faut que je justifie pourquoi je prends un joueur qui soit meilleur que les autres. Et ça veut dire qu'il prendrait la place de quelqu'un. Et le joueur, il peut me dire, oui, mais coach, jamais je joue. Et il aura raison. Donc le but du jeu, c'est d'éviter tout ça, d'être correct et droit envers eux. Encore une fois, vous voyez ça d'un point de vue comptable. Moi, je le vois différemment. On est toujours dans, comme je disais, l'apprentissage, l'événement, jouer dans un stade plein, le stress, l'envie de bien faire. Enfin, voilà, j'ai besoin, les joueurs travaillent bien, tous travaillent bien la semaine. J'ai besoin aussi de le voir en réel le jour du match. On peut parler de stratégie ou de philosophie? Ce serait plutôt une philosophie qu'une stratégie. Une stratégie, c'est sur un coup. Alors, je crois que ce n'est pas la première fois. Est-ce que cette philosophie ne va pas refléter négativement le fait de changer l'équipe à chaque fois? Est-ce que ça ne va pas donner quelque chose de négatif sur le groupe? Ben non, parce que je suis quand même assez correct pour prévenir les joueurs avant de ma façon de voir les choses et les changements que j'ai faits. Ils les ont su avant la causerie. Donc j'étais correct et professionnel envers eux, envers Sadou, envers Mehdi, envers Joba. Ils l'ont très bien compris et voilà, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, le premier qui s'extrait de ça, je vais vous rappeler un petit événement, Mouloudia, quand on a marqué les buts, regardez bien qui se lève en premier. C'est tout le banc pour féliciter les joueurs. C'est ça que je veux. Le premier qui reste assis, c'est qui s'enlève tout seul. Coach, vous permettez, c'est bien de faire tourner son effectif, on est entièrement d'accord. Le point, c'est pas qu'après 10 journées de championnat, il est temps de stabiliser l'équipe, notamment sur des postes clés. Et vous ne pensez pas que ce soir, vous avez joué quelque peu avec le feu au niveau de la charnière centrale? Alors, je vais vous poser une question. Quand ça marche bien, il faut stabiliser. Quand ça marche mal, faut pas faire appel aux jeunes parce qu'il faut faire appel aux anciens qui ont de l'expérience. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous les mettez. Mais en fin de match, la GSK a échappé belle. On a gagné, monsieur. On a gagné. L'apprentissage, vous croyez. Est-ce que vous êtes sûr qu'avec les autres joueurs, on aura gagné? Est-ce que vous êtes sûr? On n'est sûr de rien. Aujourd'hui, ils ont fait leur boulot. D'accord? Tout n'était pas parfait. On l'a vu, je l'ai vu. D'accord? L'intention était là. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. J'ai besoin de savoir, les joueurs qui bossent avec moi depuis 2 mois et demi, j'ai besoin de savoir où on en est. Le mercato va arriver, vous allez me harceler. Est-ce que vous prenez des joueurs et quel poste et voilà. Si je peux vous donner des réponses positives par rapport aux joueurs qui jouent peu, moi ça me convient. On voulait juste avoir votre avis, coach, parce que ce soir, de nombreux observateurs, tout comme moi, estiment que l'effectif est trop chamboulé ces derniers matchs. Mais ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Mais ça, c'est. Non, mais sérieusement, c'est pas mon souci. Moi, mon souci, c'est de faire progresser les joueurs, de trouver un style avec les joueurs et de gagner les matchs. Aujourd'hui, vous me reprochez d'avoir gagné un match. Si je comprends bien, vous me reprochez d'avoir gagné un match. Donc non, la prochaine fois, on essaiera de faire mieux, de faire match mieux. Nous avons applaudi la victoire de la GSK, vous voulez juste savoir si vous n'avez pas... Mais le problème, c'est que vous n'êtes que dans le championnat. Vous n'êtes que dans le comptable, d'accord? Je ne suis pas dans le comptable. Si je dois refaire ça 10 fois, je le referai 10 fois. Vous n'êtes que dans le comptable, et je le comprends aisément, d'accord, ça je le comprends.
vous mélangez, enfin, vous mélangez, c'est pas que vous mélangez, vous appropriez le comptable au classement, première place, enfin voilà. Est-ce qu'on doit défendre une première place? On ne défend pas une première place aujourd'hui. On défend un projet, d'accord? J'ai tous les joueurs ici qui ont pratiquement, à part Mehdi, je crois, le reste qui ont pratiquement 2 ans de contrat. Coach, on n'a pas parlé de comptabilité, mais de rentabilité ce soir, s'il vous plaît. Oui. Ok, si vous voulez, bah, au moins on a été efficace, on a pris 3 points. Voilà, ça a été efficace. La plupart des joueurs ont 2 ans de contrat, d'accord ? Qu'est-ce que je fais ? Je garde 14-15 joueurs, je vais les user jusqu'à la fin. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ? En mercato, on va reprendre d'autres joueurs. Et pourquoi je prendrais d'autres joueurs alors que je continue à jouer avec les mêmes ? D'accord ? C'est juste de la stratégie, de la philosophie, comme vous avez dit. C'est le projet. Il est si, aussi simple que ça. C'est le projet. Si aujourd'hui, vous m'en voulez parce que j'ai changé l'équipe et j'ai gagné, je suis prêt à l'accepter. Mais ne tapez pas sur les joueurs parce qu'ils ont fait ce que je leur ai demandé sur l'investissement. On savait pertinemment, et vous l'avez vu quand l'équipe est arrivée, que tout le monde aurait des doutes. On est d'accord là-dessus, d'accord ? Mais si je ne leur laisse pas la chance de jouer et de faire voir de quoi ils sont capables, on va arriver au mercato où il y aura pratiquement 6 ou 7 joueurs qui ont très peu de temps de jeu. Ça veut dire qu'il faudra obligatoirement que je prenne du monde en cas de pépin, en cas de blessure, en cas de suspension. Pourquoi pas le faire maintenant ? Je joue sur le fait qu'on n'a pas de pression de résultat, on n'a pas de pression de points. C'est 2 choses positives. Pour moi, c'est 2 choses positives. On n'a pas l'obligation de résultat. Si on était 12e, 13e, 14e, là, je le conçois aisément. Je n'ai pas de problème là-dessus. Mais pourquoi pas profiter que les choses aillent bien pour un peu modeler, changer et animer tout ça. D'accord ? Vous n'êtes pas là dans la semaine, mais je peux vous assurer que tout le monde travaille avec la même intensité. D'accord ? Si j'avais que 11 mecs qui travaillaient et les autres ils s'en foutraient, ça serait tellement facile pour moi. Mais c'est pas ça. Les joueurs ont compris dès le premier jour et je dois respecter ça. Donc le Dumas, vous êtes dans le... Alexandre Dumas, c'est un pour tous et tous pour un. Alexandre Dumas, c'est la même chose. C'est pas mal. Non mais... Je m'attendais, j'ai même parlé, j'ai dit tiens, je pense que je vais me faire un peu taquiner. Et je l'attendais. Mais je sais que c'est difficile pour vous de comprendre. Je sais parce que on retrouve un peu la JSK. Il y a eu des années difficiles. Aujourd'hui, on arrive à respirer sans problème. D'accord ? C'est pas parce qu'on arrive à respirer qu'il ne peut pas nous arriver un problème. Il peut y avoir des blessures graves. Des suspensions, enfin peu importe. J'ai besoin de savoir aujourd'hui qui je peux mettre à la place. Qui je peux mettre. Et justement, la place de Bourg-en-Chauchette, elle est liée ou elle n'y est pas ? Oui, bien sûr. Mais elle est pour tout le monde. Même pour le gardien, elle est pour tout le monde. Non, mais c'est la question. Ah ouais. On dit que c'est au coach qui ouais. décide s'il faut le reprendre en ouais. équipe première oui. ou pas. Je sais pas, moi je suis pas le président. Non, mais disons qu'on vous laisse à l'issue de ah la mais commission. Moi je décide de rien, je suis pas le président. Mais à l'issue de la commission de discipline, on dit que maintenant elle a été sanctionnée. Non, mais je vous taquine. Je vous taquine. Donc finalement. Il reviendra, moi j'avais dit qu'il reviendrait après les 2 matchs là, le 5 et le 9. D'accord. Donc il reviendra dans le groupe. Donc vous êtes un petit peu habitué à discuter en tête à tête. Est-ce que Bourg-en-Chauchette, vous allez le prendre en aparté ? Et discuter assez longtemps avec pour pouvoir voir où ce qu'il en est. Vous croyez que je ne l'ai pas fait depuis le début de saison ? Il va revenir, d'accord ? Je pense qu'il va faire profil ouais. bas. C'est la meilleure attitude à avoir. Il va retrouver le boulot. Qu'il se mette dans le boulot déjà. On va voir le comportement qu'il va avoir. Et après là, oui, on aura, je pense, une discussion par rapport à son retour. Vous allez avoir une période où vous allez souffler un petit peu jusqu'au. Et une petite trêve commence que. Oui. Comment vous comptez un peu la gérer ? Où est-ce qu'elle est bénéfique ? Elle est bien menée pour vous ? Non, deux matchs en 4 jours, oui, c'est forcément bénéfique. Voilà, c'est forcément bénéfique. Donc, on va laisser les joueurs mercredi, jeudi, reprise vendredi. Voilà. Pas de match amical en perspective ? Justement, travailler dans ce sens ? Jamais avec moi. Jamais.
Peut-être que vous avez changé d'avis depuis. Jamais. Pour l'instant, vous ne pensez pas encore au mercato, les postes à pas du tout. En fait, je préviens au lieu de guérir. Voilà. Je fais de la prévention. Est-ce que j'ai besoin de tel poste? Non, pas forcément, je l'ai. Il faut lui donner un peu plus de jeu, un peu plus de temps de jeu, un peu plus de confiance. Il va s'aguerrir. Le jeu, il est là. Aujourd'hui, la question, elle va se poser. D'accord? Il faut que j'ai des réponses. D'accord? Les réponses, c'est ce que j'ai dit aux joueurs à la causerie. J'ai dit, les réponses, c'est vous qui allez me les donner. D'accord? Maintenant, vous pensez que c'est de la pression. C'est de la pression, mais elle est positive. Parce que aujourd'hui, ça marche. Donc, profitez du fait que ça marche pour donner ce que vous avez. Coach, on s'est inquiété de M. Dubas dans la mesure où en début de match, vous avez mis une dizaine de minutes pour faire votre. Non, j'ai pas mis 10 minutes, j'ai mis 3 minutes. 5 minutes. Ah, il y avait un petit problème là-haut, c'est pour ça. On va dire qu'on vous a enfermé dans le vestiaire. Non, pas du tout. Justement, le problème, c'est que le vestiaire était grand ouvert. Et ça m'a pas plu. Voilà. C'est pour ça. Chercher quelqu'un pour fermer la porte, il n'y avait personne. Et voilà, on a vu que c'était une victoire assez compliquée, mais bon, le plus important, c'est qu'il y a la victoire. On a vu que le coach a fait un peu tourner l'équipe et on a vu que tout le monde était concerné par ce championnat. On a vu que tout le monde pouvait jouer et que tout le monde est disponible, donc c'est très bien pour nous. Et le plus important, c'est la victoire et les 3 points. Quoi. Quand même, il y a eu beaucoup de difficultés, encore une fois, Tadjanat a fermé le jeu comme c'était là face à Medea. Ça explique peut-être les difficultés pour arriver vers le but et essayer de tuer le match. Oui, bien sûr. On sait très bien que toutes les équipes qui vont venir ici, elles nous attendent en fait. Donc, elles vont nous attendre derrière, elles vont nous attendre parce qu'elles savent qu'on va très bien attaquer, etc. Et ce qui est compliqué pour nous, c'est de trouver les espaces, l'intervalle, etc. Donc, ouais, maintenant on s'y attend maintenant et il faudra qu'on fasse avec pendant tout le championnat, ça va être comme ça. Le fait d'empêcher rapidement après avoir donné, est-ce qu'il n'y a pas le doute qui s'installe chez les joueurs? Non, je trouve qu'on est resté concentré. La preuve, après, on a marqué deux autres buts. On est resté bien concentré. On a bien géré le match. Même si c'était, comme vous avez dit, un peu compliqué, ça va. On a été concentré, quoi. Une première pour toi en tant que titulaire. Comment tu t'es senti? Bah, ça fait toujours plaisir de commencer, bien sûr. C'est le moment que j'attendais, bien sûr. Après, évidemment, je manque un peu de rythme. Ça, c'est normal. Ça fait 2 mois que j'ai rien eu. Mais bon, c'est bien. Je suis content. Je suis content d'avoir commencé un match. Et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et on va travailler pour ça. On va travailler. Et puis voilà, quoi. 10 matchs sans défaite à JSK Pierre-Liga. Est-ce qu'on commence à avoir de l'appétit par rapport aux objectifs du club? Non, nous, comme on l'a déjà dit avant, le plus important, c'est de construire un groupe. On a un projet, on a un bon projet, on avance petit à petit. Et nous, on fait match après match. On ne pense pas à ce qui va arriver plus tard. On fait match après match et nous, on ne se prend pas la tête. On n'a pas de pression par rapport au titre, etc. Non, il n'y a pas de problème. Nous, on est là. On ne pense pas au titre, on pense à rien. On pense juste à jouer et progresser de match en match, quoi. C'est le plus important pour nous. Ah bah c'est magnifique hein, là c'est. Quand on est sur le côté on remarque ça, mais sur le terrain c'est encore 10 fois plus, c'est magnifique, c'est les supporters qui crient, c'est magnifique, il n'y a rien à dire, ça nous porte vers la victoire à chaque fois, donc c'est parfait. Ouais, bien sûr, après rien n'est parfait. Rien n'est parfait, ce sont les premiers matchs, c'est la première fois que je joue avec Tizi Bouali. On ne se connaissait pas forcément, il faut reprendre les repères, etc. Donc ouais, ça va s'arranger, c'est avec le travail, tout peut s'arranger. Tout va s'arranger avec le travail. Est-ce que vous étiez à l'aise tout au long du match? Oui, bien sûr, après, on est nos footballeurs, qu'on est sur un terrain, on prend toujours du plaisir, on est toujours à l'aise. Après, moi, comme je dis, je rends service à l'équipe, il n'y a pas de problème, c'est très bien pour l'équipe, on voit que tout le monde est concerné. Donc moi, je suis concerné aussi, donc ouais, j'étais à l'aise et j'étais bien, donc ça va tranquillement. Vous verrez beaucoup plus sur la gauche. Comment? Vous verrez un peu plus sur la gauche. Ouais, après c'est peut-être les automatismes que j'ai eu parce que de base je suis latéral. Mais ça se travaille. C'est un nouveau poste pour moi. C'est un nouveau poste, donc ça se travaille et je vais essayer d'arranger ça, bien sûr. C'est normal. Est-ce que vous avez une appréhension dans la mesure où votre poste, comme tout à l'heure, il vient de dire le contraire, au chassé naturel, il revient au galop. Merci. Vous retrouvez tout de suite, sans le vouloir, vous retrouvez sur votre plan, oui, après l'élection. Est-ce qu'on n'avait pas eu à discuter avec l'entraîneur pour dire « je suis inhabitué à
Non, après, l'entraîneur, s'il m'a mis à ce poste-là, il sait très bien. Bon, en fait, on en a déjà discuté, on a déjà travaillé ça à l'entraînement. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. C'est sûr qu'il m'a donné quelques mots tactiques, c'est bien sûr. Mais après, c'est moi, mentalement, qui va un peu plus vers la gauche, peut-être, parce que je suis latéral gauche, comme je l'ai dit. Mais ça va se travailler, tout ce travail, ça va le faire. Je sais très bien, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'à un moment donné, même après, vous n'avez pas un petit peu eu des appréhensions parce que la jeune revenait très fort aussi? Parce que vous avez. Non, c'est pas, je dirais pas un doute. Je dirais plus que voilà, ils ont plus poussé parce que justement ils devaient revenir au score. Nous, on a su rester concentré et compact et ouais, on n'a pas eu de doute. On a un petit peu reculé, je pense, mais bon après ça a été, je pense.